Joseph Borrell condamne fermement le bombardement d'une école coranique à Gaza ce samedi. Dans un tweet, le chef de la diplomatie européenne s'est dit horrifié par les images de l'attaque lancée par Israël. De son côté, Tsahal affirme que l'école visée abritait un centre de commandement du Hamas. L'armée israélienne dit avoir éliminé une vingtaine de militants de l'organisation islamiste. Joseph Borrell a déclaré que rien ne justifiait ces massacres et qu'un cessez-le-feu était le seul moyen d'éviter la mort des civils. La réaction du haut représentant européen pour les affaires étrangères fait suite à la frappe aérienne d'Israël visant une école transformée en abri dans le centre de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, au moins 100 personnes sont mortes dans le bombardement, dont des femmes et des enfants, et plusieurs autres ont été blessés. La frappe aurait eu lieu alors que les occupants de l'école accomplissaient la prière du matin.